Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ce message, le titre de ce message, c'est le cadeau rejeté, l'offre rejetée, manque de connaissance. On refuse carrément l'offre de Dieu, on ne le remercie pas. Ok, donc le titre c'est le cadeau rejeté. Pour ceux qui souvent les gens sont là, ils vont dans des pays. En tant que chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, il y a une personne qui a dit une chose très importante. C'est dit que Dieu bénit ses enfants. Si toi, tu n'es pas encore devenu son enfant, alors tu n'auras pas accès à sa bénédiction. Sinon, Dieu bénit ceux qu'il appelle les enfants, les repentis. Donc la bénédiction, c'est pour les repentis, c'est pour les gens qui ont donné sincèrement leur vie à Dieu, la bénédiction de Dieu, l'offre de Dieu. Donc ici, c'est dit quoi? C'est dit, ça c'est une offre de Dieu, c'est ce que Dieu offre à ses enfants. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne possession du pays. Il donne, c'est gratuit. Quand ton pied, quand tu mets ton pied dans un lieu, dans un endroit, dans un pays, Dieu dit, c'est pour toi. Donc, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Maintenant, lorsque Dieu vous donne quelque chose, quand on t'offre quelque chose, c'est quoi? C'est un cadeau. C'est un cadeau venant du Père. Donc, lorsqu'on t'offre quelque chose, il faut seulement avoir la connaissance de la chose et recevoir. Mais quand tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas recevoir cette offre, ce cadeau, ce trésor. C'est pour cela, souvent, on voit les gens pleurer ou dire « oui, je n'ai pas de papier ». En tant qu'enfant de Dieu, si tu, lorsque tu as la connaissance, lorsque tu ne manques pas de connaissance, tu sais que dans le pays où tu es là, Dieu te dit que c'est pour toi. Maintenant, le cadeau est là et toi, tu n'as pas vu et reconnu ce cadeau. C'est la faute de qui? C'est parce que tu manques de connaissances. Tu n'es pas au courant de l'existence de ce cadeau. C'est pour cela. Ok? Et c'est la même chose. Et c'est la même chose pour Christ. C'est la même chose pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un cadeau du Père. C'est un cadeau, donc c'est dit ici quoi? C'est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Au nom de Jésus, que Dieu vous montre la révélation, la profondeur, la grandeur de sa parole. Que Dieu vous bénisse avec, que Dieu vous bénisse avec sa parole. Au nom de Jésus, amen. Excusez-moi pour le reste. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. C'est ça. Dieu, en effet, n'a pas donné son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde,
même pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière, vous voyez, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ok, bon, c'est ça. Donc, c'est dit, Dieu a aimé le monde et puis il a donné. Il y a des gens qui refusent ce que le cadeau de Dieu, en fait. Donc, ce n'est pas la faute de Dieu. Il y a des offres, il y a des cadeaux. Il y a des offres rejetées. Il y a des cadeaux rejetés. Il y a des choses que Dieu donne. Par manque de connaissance, les gens, ils ne reçoivent pas. Ou bien, les gens refuse cette offre et il n'arrive pas, comme par exemple ici, quand j'ai dit tout lieu que foulera les plantes de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Il y a des manques de connaissances, l'offre, parce que l'offre est là. Mais par manque de connaissance, on ne reçoit pas la chose. Parce que quand on reçoit un cadeau, il y a une réaction. Quand tu reçois quelque chose de cher, quelque chose que l'argent ne peut pas payer, il faut remercier la personne qui t'a offert. Mais si tu manques de connaissance, comment tu vas remercier la personne qui t'a offert cette chose? Donc, il y a ça aussi, ça, c'est ça qui fait que les gens ne saisissent pas. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils manquent de connaissance que le pays même où ils sont là, Dieu les a offerts. Et comme ils manquent de connaissance, ils n'arrivent pas à prendre l'offre et remercier Dieu comme il le faut. Donc, si tu es dans un pays aujourd'hui, quelque part, que tu n'as pas les papiers, et tu sais que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, il faut savoir que le pays, il est pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'arrêter de murmurer, arrêter de juger ce qui ne va pas dans le pays, là. Arrêter de condamner le gouvernement, les gens même qui t'ont aidé pour rentrer. C'est d'arrêter toutes ces conneries, là. La condamnation envers les autres, c'est seulement de dire merci à Dieu. Excusez-moi pour le bruit, c'est ça. Dites merci à Dieu, ok? Dites merci à Dieu pour l'offre qu'il a offert, qui vous est donnée. Excusez-moi pour le bruit et puis comment on appelle les erreurs. Il faut remercier Dieu pour ce qu'il vous a offert, pour ce qu'il vous a donné comme possession. Voici tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. C'est Dieu donne ce pays-là, Dieu te donne, c'est pour toi, c'est ton pays aussi. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, c'est pour toi. L'univers à Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre. La terre, c'est pour Dieu. Donc, quand il t'emmène quelque part, c'est à toi de savoir que où tu as mis ton pied là, c'est pour toi. Et de reconnaître celui qui t'a donné et de lui dire merci.
Et là, tu vas recevoir la paix dans ton âme. Mais au lieu de ça, comme les gens manquent de connaissances, ils commencent à juger, ils commencent à murmurer, ils commencent à se plaindre. C'est pour ça qu'on rapatrie d'autres personnes, hein, oui. Oui. Parce que si tu n'as pas cette connaissance-là, que c'est déjà pour toi, et tu ne manifestes pas cette joie, tu ne remercies pas celui qui t'a donné, tu ne le reconnais même pas. Et tu es en train de te plaindre. Dieu déteste ceux qui murmurent. Si tu es en train de murmurer, te plaindre, ben, tu vas repartir là où tu es quitté, au fait. Donc, c'est un peu ça que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourit, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Excusez-moi pour le bruit, excusez-moi pour les erreurs. Ok, Jésus-Christ reste toujours Seigneur.